Zack, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout... Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle ? Nicole ? Ouais, ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amond et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites continuellement. Et voilà, sans encombre. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. Le J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi, ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniels et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Hé, hey, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Merde! On est hors trajectoire! Ta tête! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la coque! Chen! Stabilisateur d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! Compris! Laissez tomber les boucliers! Tout le monde s'accroche! Qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyon. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Eh bien ça c'est de l'intro, toujours aussi musclé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Let's Play sur la chaîne, sur Dead Space Remake. À la base, Dead Space, c'est un sacré jeu de survival horror. Hein. C'est sorti en 2008.
Donc c'est toujours édité par Electronic Arts. Ce n'est plus Visceral Games qui est derrière, maintenant c'est Motive, hein. C'est une filiale d'Electronic Arts qui a refait le remake. Visceral Games malheureusement nous a quittés, hein. Après Dead Space 3, il a quand même fait les 3 derrière. Donc c'est du survival horror, il a notamment inspiré le dernier en date, c'est Callisto Protocol, hein, qui a voulu faire comme Dead Space, mais vous allez voir que, et ça j'en suis persuadé, quand on va jouer à Dead Space, on va déjà voir l'écart de niveau qui est entre Callisto Protocol et un Dead Space. J'ai pas encore joué au jeu, hein, mais je suis persuadé que ce remake sera d'ores et déjà mieux que Callisto Protocol. C'est pour dire à quel point Callisto Protocol, il manquait quand même quelque chose, hein. Bah Dead Space, on va avoir la trouille, je vous préviens. On va avoir la trouille, que ce soit par l'ambiance sonore, que ce soit par les ennemis qui sont dégueulasses, que ce soit par les effets de lumière également, parce que le jeu est très sombre, je m'en rappelle, c'est le jeu était très sombre. Dead Space, pour info, oui, c'est vrai que c'était sorti en 2008, je crois que je l'ai dit, hein, ça a 15 ans, donc ça, le jeu a la moitié de mon âge. Donc c'est assez ouf. Donc je suis vraiment très content de retrouver notre cher Isaac, qui parle maintenant dans cet épisode. Qui parle, et ça se fait plaisir parce que c'est vrai que de base dans le jeu de 2008 il parlait pas, dans le 1 tout du moins, ça faisait un peu bizarre, hein, ça faisait un peu autiste, hein, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus concevable de toute façon dans le milieu du jeu vidéo que notre perso principal ne parle plus. Après il y a quand même des exceptions, genre Zelda, mais bon il y a quand même les sous-titres. Hein. Donc voilà, donc allez, j'ai hâte de découvrir ce remake, donc c'est parti. On va aller à le bord de cette UFG Ishimura, donc retour en enfer. Hein. Journal textuel. C'est bien écrasé. Demande historique, suite à votre demande, voici ce que nous avons pu trouver, spécialiste qu'ils ont envoyé pour la mission de réparation. Isaac Clark et le fils de Paul. Ah ouais, il y a énormément à lire. Ah d'accord, j'avais pas vu. Ouais. Bon, il y a des trucs que je vais lire, mais là c'est pour le lore. C'est pour le lore des persos, etc. Si vous voulez lire, appuyez sur pause, mais ouais, là non, c'est pas. C'est pas des trucs qui sont liés directement au scénario, quoi. C'est plus du lore. Bon allez, on va rejoindre notre équipe. On peut pas encore courir, on peut que marcher, ok. Alors oui, pour info, oui, le jeu je l'ai mis en... Oh, attendez, je pense qu'on va pouvoir faire ça dans les paramètres. Le gameplay, il faut une difficulté. J'ai mis en difficile, voilà. Parce que à la base, le jeu, je me rappelle en 2008, 2009, après 2009 hein, plutôt, parce que j'avais tellement aimé le jeu que je l'ai poncé, j'avais réussi à le finir en mode impossible. Le mode impossible, pour info, en fait, c'était comme un mode difficile, sauf qu'en fait, on avait droit qu'à une sauvegarde, et si on mourait, on recommençait tout le jeu. Voilà, c'est un peu un mode Iron Man. Donc, j'ai peut-être essayé de retenter l'exploit, déjà, dans cette partie. Ça sera mon défi, vous savez quoi ? De réussir le jeu sans mourir. Donc, on va essayer. Parce que bah, là, si je le fais en difficile sans mourir, ça équivaudra à ce que je le fasse en impossible, hein, de toute manière. Donc, on va bien voir. Autant se connecter. Je dis ça, je tombe, je vais crever dans le premier épisode comme une grosse merde, quoi. Alors, y'a quoi ? Y'a des trucs à ramasser ? Non. Rien d'intéressant. Ok, bon bah. Ah, très bien. Bienvenue à bord de l'USG Ishimura, Isaac Clark. Ah, et là, on a notre barre de vie qui a popé dans le dos, ouais. C'est vrai que Dead Space était particulier parce que c'était vraiment un des... Je crois que c'était vraiment un des premiers jeux qui a mis l'interface, en fait, sur notre perso. C'était très intelligent de leur part à l'époque. Donc là, on voit dans notre dos, en fait, c'est la santé, hein. Dans Question Protocol, c'était le même principe au niveau de la nuque. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? Et on voit qu'il y a également un petit module à droite, là, une espèce d'arc de cercle, et bah ben ça sera la stase plus tard, on pourra ralentir les ennemis. Et il n'y a pas un fil d'Ariane, oui, voilà, il y a le fil d'Ariane, là, qui permet de suivre l'objectif. Ça nous permettra également de mieux appréhender l'annexe. Voilà, très sombre, hein, je vous l'avais dit, hein. Des crédits. On va essayer de fouiller un petit peu. Même si je pense que là, il n'y a pas grand-chose à ramasser. Bon, après, il y a des scènes que je me rappelle. Il y a des celles que j'ai également oubliées. Hein. Alors, il faut savoir que le jeu, c'est des sauvegardes manuelles. Il y a des sauvegardes auto, quand même, je crois. Mais bon, il y a également des sauvegardes manuelles qu'on peut faire. On va plutôt privilégier ça. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Journal textuel. Rien d'enregistré. Tic sponsorisé par la division. Ah, d'accord, c'est Startic est sponsorisé par l'USG Ishimura. Donc là, c'est du lore encore sur l'USG Ishimura. Donc, je vais pas le lire parce que c'est trop long, hein. Vous pouvez le lire, bien sûr, en appuyant sur pause, il n'y a pas de souci. Je lirai plutôt les trucs qui sont liés directement au scénario à ce qui se passe ici. Hein. Parce que si je me rappelle bien, ça va être direct être la merde. La turbo-merde direct, là, d'entrée de jeu. Il y a du sang, là. Hein. Ou c'est du café ? On va dire que c'est du café. Hein.
Allez, on fait le rapport de dégâts. Oh bordel, cette odeur! Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde! Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Tu vas le découvrir, mon pote. Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais, je l'entends. Hammond. Que tout le monde se calme. Daniels, réactivez ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Là-haut! D'accord, bah, ça commence bien, Chen, au revoir. Ouais, faut se barrer là. Et nous, ouais, on va pouvoir se barrer également parce que normalement on va se faire agresser si je dis pas de conneries. Ouais. Allez, ça commence d'entrée de jeu, hein. Ça, je m'en rappelle, on se fait chase. C'est déjà présent dans le jeu original. Il y en a partout, ces salopards. Et si je me rappelle bien, il y en a un qui va se faire écraser par l'ascenseur, hein. Ça je l'ai pas oublié non plus. Bon voilà, j'ai un peu fait un spoiler alert, je suis désolé, hein. Mais bon, je l'avais tellement fait à l'époque que j'ai quand même des bribes de souvenirs, je me souviens pas de tout parce que c'était il y a quand même plus de 15 ans. Hein. Enfin, il y a 15 ans. Donc bon. Et bon, vu que je l'ai quand même fait en mode impossible, il y a des trucs que je me rappelle, quoi. Hein. Du moins, si le jeu est bien fidèle, le jeu original, mais c'est un remake, donc je vois pas pourquoi il ne serait pas fidèle. Alors, oui. Des munitions, des crédits, j'ai vu. On va récupérer une cutter plasma, notre première arme. Qui peut être très forte, hein, si on l'améliore au max, je m'en rappelle. On s'est marqué couper les membres, hein. En sang, donc un peu de backseat. Comme il y avait déjà dans Callisto Protocol, hein, c'est bien chiant, mais bon. De toute façon, on le découvre assez vite qu'il faut les démembrer. Voilà, c'est, d'accord, c'est toujours RT pour écraser. RB, c'est attaque au corps à corps. Bon, quand on fait ça, généralement, c'est pas bon, ça pue la merde. Hein. Allez. On va commencer. À partir de maintenant, je me souviens plus trop. Hein. C'était vraiment le début qui m'avait marqué quand on se faisait courser, mais après, ça va commencer à être compliqué. Ça commence bien, merde. Ok. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Donc évidemment, commencer par les jambes et ensuite couper les espèces de tentacules, enfin les pas les tentacules, les espèces de membres qu'ils ont au-dessus. Bah c'est bien, hein. Et je me rappelle qu'il faut impérativement défoncer les cadavres parce que sinon ça peut être la merde plus tard. Ah, gardez-moi cette ambiance déjà, hein. On est déjà à fond dedans, on vient de commencer à peine le jeu, quoi. C'est incroyable. Y'a quoi, y'a des trucs à ramasser. Ah, il m'a fait peur. Ah, il m'a fait sursauter, je m'y attendais pas, putain. Ah, les enfoirés, t'es de l'autre côté, quoi, d'accord. Bon, des munitions, ça se prend. Ouf, monte un peu l'état des munitions. 10 balles. Ah, on a le total de munitions sur notre arme qui est directement. Ah, c'est cool ça. C'est sympa. Ok. Moi, on regarde sur notre arme, on a le total, on n'a pas besoin de calculer. Ok, sympa. Un truc là. Demande de sécurité retrouvée. Alors, faut surveiller évidemment les conduits de ventilation. Il est pas mort, pleine tête, il est pas mort cet enfoiré. Smith a dû lui décoller les bras et les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide. Et ouais. Allez hop, ça dégage. Un kit de premier soin. Ok. Alors j'ai pas noté, mais c'est vrai qu'il y avait du sang sur la combinaison quand on est sorti de l'ascenseur. On l'a toujours, hein, c'est pas mal. Bon. Ah, nos amis sont là, ok. Ah, nos potes. Isaac. Oh mon dieu, Isaac. T'es en vie. Bordel. Ils sont partout. Chen, il est... Il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus,
certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le transformer, Poulette, hein. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible, le système de tram est en miettes, et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel, ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. De toute façon, on sera toujours tout seul dans le jeu, hein, donc... Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. C'est tellement plus crédible que Isaac parle, en fait, quoi. Je vous jure. Alors, réparer le tram. Donc, il va falloir un disque dur, d'accord. Je suppose qu'il va falloir ça. Alors, les objectifs, c'était marqué. Bon, pas si très endommagé, trouver le disque dur. Hein. On peut choisir. Plus chaud pour le disque dur. En premier. Comme ça, hein, au pif. Hein. Un poste de sauvegarde. Écoute, on va sauvegarder hein, tout de suite. Voilà. Sauvegarde effectuée, c'est parti. On est plus serein. Des munitions. Des crédits, donc c'est ouf, il y a deux côtés là. Disque dur, c'est là-bas, attendez. Je suppose que si je regarde l'autre objectif, c'est par là, évidemment, ouais d'accord. Donc faut faire un choix d'objectif là en fait. Ok, bah on va prendre le disque dur comme j'avais dit, hein. Donc c'est par là, let's go. Oh putain. Ouais, hein, génial, hein. Gardez-moi cette ambiance déjà comparé à Callisto Protocol. Putain, c'est incroyable, hein. Le long couloir là avec les bagages dégommés, enfin, ça donne envie, hein, franchement. Aïe aïe aïe, hein. Et encore, on est sûr qu'on va se taper un truc au bout, hein. Ah, et voilà, on est à l'autre, on est derrière là où j'avais flippé juste avant, là, ouais, d'accord. Ça nous ramène là. Là, vous savez que c'est un ennemi, hein. Évidemment. Allez, hop. Enfoiré, va. Ça va, j'ai pas paniqué. Munition, ça va? 29 balles, ouais, c'est pas ouf, mais bon, on va essayer de faire avec... Ah, il y en a encore là. Pour activer le courant, c'est ça? Maintenance, dépôt, haut, le chargement. Attendez. Ouais, vaut mieux aller là-bas, en fait, d'abord. J'ai cru qu'il allait m'attaquer, en fait. Évidemment, il a préféré remonter, ok. Putain, il a popé, quoi, l'enfoiré. Il est noir, là, j'aime pas ça. Avec cette putain de musique, hein, toujours. Mais il est pas loin, là, hein. Putain, l'enfoiré. Ah, les points de force, oui, ça je me rappelle, c'est pour améliorer les armes, les armures, etc. Ouais, ça c'est important. Munitions. Ah, ça je pourrais le vendre, ça c'est un semi-conducteur, je m'en rappelle. Ok, très bien. Bon, ça va, les réflexes reviennent. Bon, je vais me faire attaquer là, non? Toujours pas, visiblement. Je le trouve plus viscéral par contre que celui de 2008 quand même. Hein. C'est... Il y a plus de détails, c'est plus dégueulasse. C'est pas plus mal. Allez, on dirige le courant. Cette fois, on va là-bas vers la maintenance. Allez, hop. Bon, on va sauvegarder. Toujours sauvegarder. Ok, bon, allez. Isaac, ne vous emmerdez pas alors. C'est la merde, hein. Ça les ralentit même pas. Bon. Le
seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue? Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Bon là, il y a des trucs explosifs, hein. On va essayer de s'en servir à bon escient. Bah comme là par exemple. Hein. Voilà. Il m'a touché le con, hein. J'attendais pas à me faire avoir comme un bleu là. Ils étaient deux. Les enfoirés, hein. Bon. On va essayer d'être prudent. J'ai pris un coup déjà, ça m'a retiré une barre de vie, hein. Ah, je vous jure. On va essayer de se servir des objets à notre disposition pour... C'est pas derrière moi, hein. Non, c'est devant, on est d'accord. Allez, viens, toi. Approche, enfoiré. Approche. Bon, voilà, c'est bon, c'est réglé. Dégage, voilà, c'est bon. On s'en sort bien. On fait des économies de munitions, c'est ce qu'il faut, hein. Ok. Et on gagne des munitions en bonus, ça c'est cool. Putain, les enfoirés, hein. Donc par là il y a l'ascenseur, je sais pas si c'est par là qu'il faut aller tout de suite. Je le sentais pas ce conduit de ventilation, mais ça va en fait. Munitions. Bon, on va peut-être pas y aller tout de suite, j'ai d'abord exploré. Oui, on va explorer cette zone de merde où il y a un ennemi qui nous saute à la gueule toutes les deux secondes, c'est génial. Ouais, on est directement dans le vif du sujet, hein. Y a pas de... y a pas de montant puissance, on est déjà dans la merde. Dès le début, quoi. Munitions. Argent. Et munitions, bah, c'est parfait. On commence à bien se blinder en munitions, c'est pas plus mal. On est revenu au point de départ, ok, ça va, donc on sait tout. Normalement, il n'y a pas de script qui va se lancer là. Ça devrait le faire. Allez, on tourne à l'ascenseur. Putain, ouais. Cette ambiance, le sound design, il est excellent. Hein. Je suppose qu'il va falloir aller là-dedans. Hein. Allez, allons vers l'ascenseur, tout du moins. J'ai peur, c'est sur le chemin du retour, moi. Hein. Allez hop. On reste frais. Je le sens pas trop là. Lui là ouais Je crois que lui il est mort, ok. C'est pas un ennemi. Sinon il serait bougé, hein. Les ennemis, quand tu leur tires dessus, ils bougent, hein. Ok. Et lui là-bas. On va l'attirer, c'est pas grave. Ils sont rapides ces connards, hein. Dégage, voilà. Mon plan a marché. Toujours de l'économie. Allez hop. Là, je le sens pas, hein. Munitions, ça va, on est royal, hein. Journal textuel, alors on va peut-être commencer à lire, ça peut être intéressant. Développement d'ingénierie, ok. Les OGA remplacés, maintenance fonctionnelle, lunettes 40 défectueuses. Toujours en réparation. Ah, c'est un journal de maintenance. Passé maintenance fonctionnelle, jour 5, jour amplificateur endommagé. Ouais, d'accord, c'est un journal de maintenance. Tout bêtement.
est simplement... Ah bah oui, c'est pour ouvrir la porte. Mais je vais devoir sacrifier un truc, c'est ça? Ouais. Faut que je laisse l'ascenseur, j'ai pas le choix, du coup je vais devoir éteindre la lumière. Oh là là, putain, gardez-moi cette ambiance, hein. Donc là, il y a les lumières de sécurité qui se sont mis en route, hein, bien sûr. Mais bon, là, ça va être plus sombre, et là, vous pouvez être sûr qu'on va se faire agresser, hein. C'est sûr et certain. Putain. Il y a deux. Ok, bon, on s'en est bien sorti, ça va. J'avais peur qu'il y en ait un dans le dos, hein. Au final, ça a été. Très bien. Personne là-bas. Pas de sortie dans la ventilation, c'est bon, non. Je peux me barrer. Allez, hop. On reste frais. Stressant, stressant, hein. Même moi, là, ça me met pas bien. Le conduit de ventilation derrière moi, je le sens tellement pas. J'ai entendu quelque chose, là. Hein. Quelque chose qui arrive. Je sais pas où, mais il y a quelque chose qui arrive, oui. En moins. Il y en a un deuxième, hein. Je l'entends, hein. C'est de l'eau qui tombe là, mais je le voyais là-bas l'enfoiré, hein, donc on sait que t'es là en fumier. Je sais pas pourquoi il a attendu autant de temps avant de venir, lui, bon, soit. Derrière moi, non? Ouais, j'ai entendu. Le sound design, hein, très important, faut écouter, hein. Ça évite de se faire surprendre. Il y en a partout. Ah putain. T'es mort. On va pouvoir entrer dans cette pièce à la con là. Ok. Peut-être souffler un petit peu là. De l'argent, il y a même un point de force, un journal textuel, on va prendre. Ah, il y a un établi, cool, on va pouvoir réparer notre... améliorer nos trucs, quoi. J'ai coupé le lien ring au cas où Benson écouterait. Tu viens au poker ce soir, ou tu vas laisser Kathleen se trimballer avec tes crédits? En échange de mail, du coup, sur le poker, je suis là. Mais vous pourriez ne pas inviter Pavé cette fois-ci. Je sais qu'il s'en va encore pour l'accident avec Sarosi. Et tout, mais personne ne veut entendre parler de ces putains de cauchemars, surtout celui où il a vu Sarosi se promener avec une moitié de tête, d'accord. Et ne te fous pas de moi, je suis sérieux, ça me stresse, l'année dernière j'ai eu un de ces rêves qui te réveille direct, mais cette fois mon père était assis à côté de mon lit et il me parlait, ça paraissait si réel que j'ai eu l'impression de le voir du coin de l'œil toute la journée, et crois-moi, cet enfoiré doit rester mort. Ouais, d'accord, petite vision, hein, les trucs. Le disque dur, on l'a, c'est bon, premier objectif. Ok. J'y suis presque. J'ai trouvé un disque dur. Je dois juste déplacer le tram. Ok, Daniels, surveillez cette porte. Établi. Améliorons nos trucs. Donc j'ai deux points de force, on va peut-être améliorer le cutter placement. Ah oui, c'est les dégâts, surtout en premier, donc ouais. Augmenter les dégâts, c'est toujours bon. Ça sera pas perdu. Et la tenue... ou ouais, on augmenterait la vie, c'est pas plus mal, parce que le cutter plasma, c'est la capacité. Ouais, on sait encore. Mais ouais, je suis chaud pour un peu de vie, là, supplémentaire. Ça sera pas du luxe, hein. Allez, on continue.
Paf. Ah, ça nous a soigné. D'accord, je viens de voir. Ça nous a soigné, ça nous a rajouté un segment de soins. Et ça nous a soigné. Bah ok, c'est bon à savoir. Si jamais je suis dans le mal, je peux m'ajouter un segment de soins. Et du coup, ça me soigne. Ok, bah j'économise des heals. On est comment au niveau inventaire là du coup? 88 balles, on est carrément bien. On a 3 soins, on a un truc à vendre. Parfait. Encore 4 places d'inventaire. Je pense qu'on peut retourner. Mais bon, ça va être la turbo merde à mon avis. Hein. On va sûrement se faire agresser sur le chemin. Regardez. Voilà. On a amélioré les dégâts, donc ça va aider. Hein. J'ai entendu un ennemi. Je vais arriver par où? Par là. Enfoiré là. Du coup le cadavre est tombé, j'ai pas pu récupérer le loot. Je suis déçu. Tant pis. C'est un ennemi que j'ai tué avec une balle, donc c'est déjà bon en soit. Bon, pour l'instant ça va, on gère. Hein. Toi t'étais pas là avant, enfoiré. Toi t'étais pas là au début, hein. Je vais voir si je peux pas, ouais, je vais pouvoir faire le tour et puis la tirer, faire exploser, je pense. On va faire ça. Parce que lui, il est nouveau, hein. 100%. Non, non, c'est tout. Hein. Vous pouvez me baiser la gueule quand j'avais 15 ans, mais là, c'est terminé, quoi. Ça passe plus, hein. Ah non, il était là, son loot, à lui. Ok. Espèce d'enfoiré, va. Allez. Allez, c'était à peine prévisible, hein, bien sûr. Bon, tu viens quand tu veux, hein. Bam, voilà, c'est fait. La femme. Et on est bien, voilà. Non mais ouf, vous me prenez pour un bleu ou quoi? Et voilà, donc on retourne au point de sauvegarde. On va sauvegarder bien sûr. Ok, très bien. Ah, note aparté, mais il faut que je fasse gaffe parce qu'il me semble que quand t'appuies sur B, tu utilises rapidement un objet de soin. Donc on va falloir faire gaffe parce que je pourrais très bien cramer du soin sans le faire exprès. Hein. Ok, donc écoutez, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode, ça fait plus de 30 minutes, j'ai vu, hein. Donc premier épisode plutôt bien géré, ça va, on a bien géré les munitions, on a bien géré les soins, hein. Finalement j'ai pas cramé de soins, donc au final tout est pardonné. Voilà, donc on va découvrir la suite dans le prochain épisode, écoutez, hein, je suis content de relancer Dead Space, en tout cas ça fait plaisir, surtout que le remake a l'air d'être de qualité, donc je suis plutôt content. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si c'est le cas, vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, bien sûr. Moi je fais des bisous, et à la prochaine, des bisous, portez-vous bien, salutations.